Ce mois d'avril 2024 marque le retour de Secret Story sur TF1, après 7 ans d'absence. Et au fur et à mesure que le temps passe, les candidats de cette saison font peu à peu connaissance. Dernièrement, ce sont Zoé, Léo et Maxence qui se sont confiés les uns auprès des autres. L'occasion alors pour la Belge de parler de l'homme qu'elle aime. Effectivement, celle-ci est en couple en dehors de l'émission. Secret Story 2024, Zoé Brunet, une personnalité de la télévision belge depuis quelques jours, TF1 diffuse la toute nouvelle saison de Secret Story. Cette fois encore, c'est Christophe Beaugrand, le remplaçant de Benjamin Castaldi, qui est aux commandes du programme. Notons que la production a reçu des milliers de candidatures cette année. Mais seuls 15 profils ont été retenus. D'ailleurs, l'un d'eux a déjà quitté l'aventure suite au vote caché des participants. Aujourd'hui, ils ne sont donc plus que 14 dans la maison des secrets. Et bien évidemment, certains d'entre eux intéressent déjà beaucoup les téléspectateurs. C'est notamment le cas de Zoé Brunet, qui connaît très bien le milieu de la télévision. Pour cause, la candidate de Secret Story officie en tant que journaliste et animatrice à la RTBF. Et il se pourrait que sa participation dans l'émission ait des conséquences sur son métier. La raison ? Ses employeurs ne savaient pas que l'ancienne reine de beauté allait faire partie de cette saison de Secret Story. D'ailleurs, la RTBF s'est exprimée sur sa collaboration avec la jeune femme auprès de Ciné Télé Revue. Elle est en pause pour le moment, le temps de son parcours dans Secret Story, a déclaré la chaîne belge. Zoé Brunet, Secret Story, @TF1 en couple, elle révèle des détails sur son amour pour l'heure, la principale intéressée profite pleinement de son aventure dans Secret Story. Très à l'aise devant les caméras, récemment, Zoé Brunet s'est d'ailleurs laissé aller à quelques confidences sur sa vie sentimentale. Comme nous l'avons dit précédemment, celle qui a participé à Miss Univers est en couple en dehors de l'émission, d'après ses révélations. Lors d'un live datant du 29 avril 2024, elle a discuté avec Léo et Maxence. Les trois participants ont évoqué le sujet de l'âge limite de leur conquête. Zoé Brunet en a donc profité pour leur révéler des détails assez croustillants sur l'homme qu'elle aime. C'est quoi ta plus longue relation ? Lui a d'abord demandé Maxence. Ce à quoi la jeune femme a répondu, 3 ans et demi, en cours. Face à cette réponse, Léo a été choqué et lui a alors demandé si elle était vraiment en couple. Oui. Mais ne dites rien, les gars, a rétorqué la candidate de Secret Story. Cette dernière a notamment révélé que son chéri se prénomme Jérémy et belge. Il est grand, blond et musclé, a-t-elle ajouté. Zoé Brunet a aussi parlé de la différence d'âge entre elle et son compagnon. Il a 29 ans, mais il fait plus vieux. Les gens de mon âge, je peux pas, a-t-elle déclaré. Suite aux confidences de leurs camarades et concurrentes, Léo et Maxence ont voulu en savoir encore plus. Ils ont alors demandé si elle habite avec son chéri. Ce à quoi Zoé Brunet a répondu à l'affirmative. Mais ne dites rien, a-t-elle encore une fois martelé. Reste à savoir si les deux hommes sauront garder le secret. I just need